Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conte. Aujourd'hui, je vous propose le conte de Charlot le marchand de chapeaux. Alors, vous êtes bien installés? Le conte peut commencer. Il était une fois un marchand de chapeaux qui s'appelle Charlot. Charlot le marchand de chapeaux, il vend ses chapeaux en chantant toujours très haut. Il fait « Je suis Charlot, marchand de chapeaux, chapeau très beau et rigolo. Je suis Charlot, marchand de chapeaux, chapeau très beau et rigolo. Je suis Charlot, marchand de chapeaux, chapeau très beau et rigolo. Allez, allez, venez !» Et arrive une dame. « Bonjour, monsieur Charlot. Monsieur Charlot, je veux un chapeau qui soit très beau, tout comme il faut. » Alors Charlot lui dit, « Regardez, regardez, j'ai plein de chapeaux, tout comme il faut. » La dame regarde. Non, ils ne sont pas comme il faut. « Attendez, madame, j'ai ici une malle très spéciale, dans laquelle il y a des chapeaux très beaux, tout comme il faut. » Alors attendez, je vais les essayer. La dame enlève son chapeau et elle dit, « Tiens, pourquoi pas celui-ci ? » ?»« Oui. Elle réfléchit. Non, monsieur marchand, il est trop voyant. Non, je veux un chapeau qui soit très beau, tout comme il faut. Regardez, madame, dans la malle. » Ah, alors, la dame enlève le chapeau. Celui-ci, pourquoi pas celui-ci? Elle réfléchit. Ah, non, bien trop piquant, monsieur le marchand. Je veux un chapeau qui soit très beau, tout comme il faut. Eh bien, regardez dans la malle, madame. Bon, attendez. Quel chapeau? Ah, peut-être celui-ci. Celui-ci? Ah, non. Il est trop bruyant. Non, monsieur le marchand. Je veux un chapeau qui soit très beau tout comme il faut. Non. Eh bien, regardez dans la malle, madame. Alors, elle enlève le chapeau pour prendre... Ah! Pourquoi pas celui-ci? Ah non. Non. Ce n'est pas le moment. Monsieur marchand, je veux un chapeau qui soit très beau tout comme il faut. Celui-là ne va pas. Non, pas celui-là. Charlot, il est embêté. Il n'a plus qu'un chapeau. Un chapeau, dit la dame. Un chapeau. Celui-ci, il ne reste que celui-ci. Comment il se met déjà comme ça? Oh là 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 là, non. Je crois qu'il est trop effrayant. Non, monsieur marchand, non. Je veux un chapeau qui soit très beau, tout comme il faut. Mais je n'ai plus de chapeau, dit Charlot. Plus de chapeau? Madame va voir. Plus de chapeau? Plus de chapeau? Plus de chapeau? Mais je regarde. Laissez-moi regarder. Allez. Ah, mais regardez, je crois dans tout le fond, là. Il y a ça. Celui-là? Mais oui, celui-ci. Il est très joli. Oh, j'ai un chapeau qui est très beau, tout comme il faut. J'ai un chapeau qui est très beau, tout comme il faut. Merci, monsieur le marchand. Et vous savez, elle s'en va comment? En chantant, parce que le conte est fini, je vous remercie. Elle chante, souris, souris, petite souris, c'est une amie qui te le dit, pour être gaie toute la journée, danse sur un pied, puis sur l'autre pied, et puis aussi, souris, souris, à tes amis. Pour être gaie toute la journée, danse sur un pied, puis sur l'autre pied, et puis aussi,